Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien, ça va alhamdoulilah, tranquillement. Dans le sport, il y a des hauts et des bas. Quand on commence un sport, effectivement, on fait des erreurs. Des erreurs qu'on commet, ça fait partie aussi du jeu dans le sport. Le sport, on débute toujours avec des erreurs. Plus on fait des erreurs, plus on les enregistre, plus on reste focalisé sur la suite de l'aventure. Si on ne fait pas d'erreurs, qu'est-ce qu'on apprend dans le sport? On n'apprendra rien du tout. L'erreur est humaine. L'erreur, ça fait partie de l'expérience dans le sport. Il y a des bas, c'est normal. Il y aura des hauts un peu plus tard. C'est normal. Dans le sport, il y a tout. Tout ce qui peut y arriver. On peut stagner, la fatigue, et surtout une perte de motivation. Ça, il faut ressaisir automatiquement. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas coach sportif, je ne suis ni un entraîneur d'une équipe nationale. Je suis vous donner des conseils au bon moment. Je suis là pour que vous fassiez des erreurs dans le sport pour que vous allez réussir pour une prochaine fois. Donc, ça fait partie de la vie du sport et ça fait partie au niveau de tout. Donc, les hauts, il y en aura tout le temps. Il faut toujours mettre un V vert. Il y aura toujours des hauts. Donc, même dans les sports comme l'handball, professionnels, ils font des conneries. Dans le foot, dans la boxe, dans les footings, dans la musculation, dans tout. Ça, une fois qu'ils ont eu cette erreur-là, ils ne vont plus la commettre. Les hauts, c'est bien. C'est avec les erreurs qu'on devient quand même un semi-professionnel. Quand je dis un semi-professionnel, on apprend quand même les bases déjà de ne pas avoir mal quelques articulations musculaires, ce qui fait partie aussi de la vie du sportif. Oui, donc on apprend tous les jours, l'erreur est humaine, il y aura des hauts. Les hauts, c'est quoi? C'est prendre des bonnes sensations, de faire les exercices propres, sans avoir de doute ce que vous allez faire, ce qui est normal. Quand il y a des hauts, on ne doute plus de ce qu'on fait pendant l'entraînement. Dans tous les sports confondus dans le monde. Hein. Donc c'est là que vous allez devenir quand même balèze et surtout focalisé dans le sport. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. On n'a rien sans rien, on n'a rien. Moi j'ai fait plein de conneries dans les vidéos. J'ai fait de la saleté, dégueulasse. Ouais, j'avoue, je suis conscient, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, oui, je suis conscient à 1000%. Je suis quelqu'un d'honnête, j'ai fait de la merde. Ouais. Ça, cette merde-là, que j'ai posée sur YouTube, ça m'a permis de grandir aussi dans la tête, dans le sport. Les bas, là, je suis en haut, là. Alhamdoulilah. Les performances commencent à venir. Surtout quand vous avez envie. Et l'ambition. Que vous soyez unique. C'est vous l'unique. Personne d'autre qui peut vous dire de faire ça. D'accord? Je vous dis à très vite, les amis.